La batterie. Lagi siapa?
Oh,
Gracias.
Thank you.
Goiânia, vai pra lá.
Donc voilà, Nanokinia. Éminence, Excellence, chers invités, nous allons ainsi qu'à M. Jean-Paul Yambo de bien vouloir vous tenir debout. Nous saluons également sa suite qui est composée de M. Onka, premier conseiller, et du professeur Roger Bédouard. Tenez-vous debout également. En deuxième position, nous avons Son Excellence Eva Emmanuelis Azali Maman. Elle est chargée d'affaires des Suèdes en République démocratique du Congo. Voulez-vous vous tenir debout? Elle est déjà debout. Nous allons saluer également M. Noé André Neto, qui est consul général d'Angola en RDC. L'État, moi, n'a pas de n'a combien de tata, moi, n'a pas de centre. N'a combien de tata? N'a pas de centre. Vous pouvez vous asseoir.
le secrétariat du bureau est installé. Alors, les gens, c'est mon poteau. Plusieurs points de vie, et en particulier marqué par un événement d'État, celui de la consécration du palais du chef spirituel, représentant l'égal de l'Église qui bandisse, comme l'avait fait à son temps Salomon, le roi d'Israël, lorsqu'il lui achevait de bâtir la maison du Seigneur, temple et la maison du roi, et il eut tout ce qui lui plut, le Seigneur lui apparut une seconde fois, comme il lui a été apparu à Gabaon. Et le Seigneur lui dit, j'ai entendu des prières faites avec instance et soumission que tu m'as adressée. Cette maison que tu as bâtie, je l'ai consacrée afin d'y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront toujours. Premier roi, chapitre 9, verset 1 à toi. Alors le jour de la consécration, le roi Salomon rassembla à Jérusalem auprès de lui tous les grands chefs, tous les princes des familles et tous les enfants d'Israël en vue de fêter avec eux et ensemble rendre hommage à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, l'Église Kibangiste fête à la fois les 78 ans de la naissance du Kibangisme et la consécration de la maison du chef spirituel, représentant l'égal pour que l'action soit accomplie. La parole du Seigneur fut adressée à Salomon, qui bâtit cette maison. Mais si tu marches selon mes lois, si tu agis selon mes coutumes, et si tu gardes tous mes commandements en marchant d'après eux, alors j'accomplirai ma parole à ton égard, celle que j'ai dite à David ton père, et je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Premier roi, chapitre 6, verset 11 à 13. Excellence, Monsieur le gouverneur du Bas-Congo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, le 6 avril 1921, l'envoyé spécial du Seigneur Dieu, en la personne de Papa Simon Kimbangu, dans le petit village de Nkamba, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, déclenche, sans le vouloir, un mouvement d'éveil spirituel aux implications profondes. Les répercussions sont si profondes qu'elles ébranlent jusqu'au fondement de l'édifice colonial belge. Alarmé, le pouvoir colonial s'empare le nom de Kibangisme. Il est persécuté atrocement de 1921 à décembre 1959. Et les persécutions ont fait 150 000 morts, martyrs, dans des camps de concentration qui ne laissaient en horreur qu'à ceux mis sur pied par le pouvoir nazi. Cette histoire si triste, dangereuse et de honte doit à chaque moment de son anniversaire interpeller les gouvernements de l'État fédéral du Royaume de Belgique et l'ensemble de son peuple. En dépit des tortures mongoles, physiques et de persécutions, le kimbangisme s'est affirmé et s'est enraciné. Il compte aujourd'hui
plus de 30 000 fidèles, 30 millions de fidèles à travers le monde. Le kibanguisme a son fondement sur le christianisme, c'est-à-dire la loi et la doctrine de Jésus. C'est ainsi que l'Église est membre du Conseil œcuménique de l'Église chrétienne, de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, etc. Quoiqu'elle ait encore jeune et tenue par les êtres humains, a connu et connaît les réalisations qui font consolider sa position sur le plan spirituel, social, culturel, etc., sans concours de l'extérieur. Il est vrai que le chemin est encore long, mais l'Église kibanguiste a sa ligne de conduite pour atteindre le but. Il s'agit de suivre la route qu'a parcouru Jésus-Christ, chargé de sa croix de Jérusalem au Golgotha. Dans le programme du Seigneur Dieu, son envoyé spécial Papa Simon Kibangu et Maman Marie-Moule Kiawanga ont eu trois fils. À titre de rappel, Charles Tissoloke, Salomon Diagmungana Kiangai et Joseph Diangenda Moutima. En dépit des normes de distance, l'Église Kibanguisa a ses trois fils qui ont consolidé la disposition du kibanguisme dans la voie souhaitée par le Seigneur Dieu. Ces trois fils se constituent en une seule personne par compétence morale et dans l'action spirituelle. C'est pourquoi nous disons que les deux qui nous ont quittés sans nous quitter, ces derniers fils vivants de Papa Simon Kibangu, Salomon Diagmungana Kiangani, les chefs spirituels et représentants légaux de l'Église kibanguiste, qui, aujourd'hui, ensemble avec ses deux frères, qu'ils ne l'ont jamais quitté, a fait monter les enfants de Dieu de la cité sainte d'Nkamba de Papa Simon Kibangu, c'est-à-dire une des collines sur lesquelles est fondé le kibanguisme et bâtir une double maison qui restera historique, à savoir 1. Le mausolée de l'envoyé spécial du Seigneur Dieu, Papa Simon Kibangu. 2. La maison de Dieu, temple. 3. Le palais du chef spirituel. En d'autres termes, le produit par des interventions spéciales de Dieu, échappant à l'ordre de cause, nature qu'il a établi et destiné à une fin spirituelle, notamment ressusciter le mort, guérir le malade, chasser les esprits impurs, prêcher l'amour du prochain, condamner la discrimination raciale, condamner l'écart exagéré des conditions de vie des classes sociales entre l'homme blanc et l'homme noir, etc., qui firent les œuvres purement spirituelles et d'inaction avec les règles de la morale. La cité sainte d'Nkamba compte des milliers d'habitants. La vie de cette autorité morale suprême et sacrée de l'Église kibanguiste, il a la conscience que l'on a au moment de l'action et de la valeur morale de l'acte posé au point de vue application. Contention, médiation, réflexion, tension d'esprit. Il est inébranlable dans son poste et dans son opinion. Son pouvoir ne vient pas des choix qui est fait de sa personne par des hommes, mais plutôt directement de Dieu. Il est le serviteur des serviteurs de Dieu. La simplicité du chef spirituel, chef suprême de l'Église kibanguiste, est une cause de son admiration, de sa popularité et de sa personne digne de l'autre. C'est ainsi que sa vie sociale n'existe que relativement, mais sa vie ici de tous les honneurs correspondant à son haut rang. Il est le pasteur principal de l'Église kibanguiste universelle kibanguiste. Rien ne peut se décider sans lui.
c'est-à-dire c'est lui qui garde les derniers mots, outre ses auto-éjectes. Le chef spirituel est assisté par les représentants légaux, premiers suppléants, dans les cérémonies et l'administration. Ils sont des conseillers les plus importants. Ils ont un rôle prépondérant et non exclusif. Ils sont rois. Nous allons inviter le révérend Luntadila. Papa Luntadila, le micro est à vous. Tant que Papa Luntadila a sa discours, naïe, présentation pour le Papa Oluba, Papa Sofa Bondeli, Dengit Oluba qui, Togoutia Nabiso Mongolute, Ezeli Kambonabiso, Togoulada Basirubiana, Papa Protocole Nenge, Papa Memabiso, Kopusa Moto Mokote, Kalouba Tarane Mondouko. Motola moto ato sa moninga na ye po ete na cérémonie ko salema libanda sikoto pesi maloba na tata représentant les gars premiers suppléants tata Luntadila po alakisa biso papa papa pe aloba kasi tolingi totelemisa papa mais avant na yango tozali kosenga papa gouverneur aya koloba leka bana nyonso bapandi awa et la nyonso et vous wana le bana bana la biso nyonso pour la pomme camion et bani ça t'a passé mon papa bani et sa yango et ce que j'ai dit à ton monde et nous vous souhaitons un bon
et agréable séjour dans cette terre congolaise. Excellences, Mesdames et Messieurs les distingués invités, c'est un réel plaisir pour nous qu'aujourd'hui, à l'occasion du 78e anniversaire de la fondation de l'Église humaniste, nous puissions prendre la parole pour dire que cet événement constitue pour les peuples noirs d'Afrique et du monde un événement sans précédent. En effet, c'est grâce à un fils de ce pays que la première conscience de libération du peuple noir a commencé. Car, comme vous le savez par l'histoire, il n'a pas été facile, au moment où régnait l'esclavage du peuple noir à travers le monde, au moment où régnait la colonisation barbare de toutes les populations noires d'Afrique, un fils de ce pays se lève et il a osé dire non aux colonisateurs. Il a osé porter l'étendard de la libération de ce peuple. Aujourd'hui, l'Église humaniste peut prétendre avoir relevé le défi. Si aujourd'hui, vous voyez dans cette salle d'éminentes personnalités noires venues de différents pays, c'est notamment grâce à une prise de conscience. Nous voudrions donc qu'à l'instar de Papa Simon Kimbangu, que les fils et les filles de l'Afrique qui ose lever la tête, que tout leur peuple se mette derrière eux et les suive. Nous pensons donc aujourd'hui, il est plus que temps pour que notre peuple, peuple noir, je sous-entends, comprenne que les malheurs qui nous arrivent, notamment en Afrique centrale, ces malheurs sont dus à la présence à la tête de nos États d'hommes qui veulent la liberté, la prospérité, le développement de leur peuple. Je pense ainsi aux différents présidents, notamment le président Eduardo Santos de la République populaire d'Angola. Je pense aussi au président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo-Brazzaville et aussi à notre cher président de la République démocratique du Congo, Mzé Laurent Désiré Kabila. En effet, grâce à ses fils qui veulent que leur peuple se développe, s'épanouisse, que cesse l'exploitation des richesses terres. Nous aspirons à la paix. Mais pourquoi donc aujourd'hui la guerre dans nos pays? Chers frères, chères sœurs, je vous invite. Nous profitons de cette occasion car nous savons que l'Église humaniste
c'est un partenaire sûr pour nos gouvernements, pour nos dirigeants. Car l'Église du Magistre a su mobiliser de nombreux fils et filles de nos pays pour un programme de développement. Il suffit de voir autour de vous. À moins que je l'ignore, je ne connais pas dans notre pays ici une église qui a pu bâtir un temple aussi grand et somptueux comme celui-ci. Nous sommes pauvres. C'est vrai parce qu'on nous a exploités pendant de longues décennies, mais je crois que ceci, c'est un exemple, un modèle, travail collectif, la volonté commune des fils et filles qui veulent ensemble aller de l'avant. Nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, dans l'obligation de soutenir cet exemple, ce modèle. Je peux me permettre de vous promettre que notre cher président Macron, lorsqu'il aura le temps, il viendra lui-même vous dire ce qu'il a à vous dire, parce que je sais qu'il pense beaucoup de bien de l'Église humaniste et aussi de son fondateur, Papa Simon Kimba. Ce jour quand il viendra ici, il vous dira donc ce qu'il pense, vous lui direz à votre tour ce que vous aurez à lui dire, et que je me permettrai au moins cette fois-ci d'aller lui dire que l'Église humaniste, c'est une église qui fait la fierté de l'homme noir, que l'église humaniste est à soutenir, que l'église humaniste restera et devra rester pour le pouvoir dans notre pays. À soutenir. Mes chers frères et sœurs, le temps étant précieux, le programme étant encore long, je me contenterai de vous dire une fois de plus. Bon séjour à tous ceux qui sont venus de loin et que tout le programme se déroule dans la paix comme il a commencé jusque-là, et nous demanderons à toutes les forces de l'ordre ici présentes de faciliter le retour de nombreux invités, de nombreux délégués ici présents. Nous savons que la route est très mauvaise. Nous demandons à tout le monde de s'assister pour que tout le monde rentre chez lui dans la paix, dans la concorde. Je vous remercie. Et on va aller dans le couloir à tout le monde qui est le président de la République.
la professa mote na bakimba misema so oti mokili mokimba batongi na tempe de kuyu lelo na tele sengo monene mpona fete monene ya mpona kukusambala mwambe ebanda ingumba ya bakasi mokimbango ebandi oyo nikamu oyo tozali komona katikati na bino ezali kamu moko monene katikati na mokili ya bato mbaini mpona kolakisa ete ingumba oyo ezali ingumba moko ezali modele mpona kotala misala oyo ezalami katikati na lingumba liye bake mangoba mosu ezali katikati na mokili oyo oyo nyonso ezali mpona kokasi mpona molingo ya mwana mboka po ete moto mwindu ayeba place na ye amilukela ayeba ye azali nani yango na papasi mokimbango amonaki pasi ye atelemi kaki moto na ye mpona koluba na ntango wana bambuna bamindele bazali konyokola biso bazali kosomba biso me mwana mboka simokimbango atelemi mpe na kotombola moto ya koluba ye makambo oyo etali monsomi oyo etali ete developemant kita na biso ekenda liboso ezali bamoka monene parmi biso bana ya afrika lelo okimbuka papasi mokimbango nomoli soni katikati ya mokili mobimba tala ebeli ya bato bayao tala kaka zingazinga na biso tala mimetembele oyo nakanisi na mangumba maso na afrika likumba nous disons nous lisons l'histoire nous racontons l'histoire de toutes les difficultés les persécutions mais pour nous à tous les dirigeants
de l'église du Mali, Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, au nom du président José Eduardo Santos, je vous salue tous et vous remercie de l'invitation que l'Église a bien voulu lui adresser pour marquer de sa présence lors de cette manifestation. Kokoloyo, les animaux pulmonaires, on a l'église imbanguiste, on a les croyants imbanguistes, on a les camomonaires, le prophète Asala, pas seulement on a Congo Oyo, mais surtout on a Afrique, pour que Bamboka Nyos et Afrique est à la conscience de la Naba, Colomb, Oyobaki, Govan, Bamboka Nabiso contre notre volonté, étant de Koki, pour la moine Afrique, pour la moine Congo, pour la moine Angola, à soi destiné et à Mboka Naye. Depuis Tangwana, Bisonyo surtout, Batata, Bamama, Apollo, Bana, Tozoa, détermination, Yako se défendre. C'est pourquoi, pour Koré Alélo, les allez nous promener à Wanaka, Komo et Yébana, pas seulement à Wana Congo, Kinshasa, mais partout, en Afrique, en Europe, Amérique, il n'y a pas de croyants qui veulent, au Yalaka, maintenant il y a un prophète. Ils sont en Angola, pays que vous allez dans les Sénégalais, au Coréen et l'autre. Papa et maman, au Moni, ils sont commis en retard. Mais c'est Morangaï en cours de route. Les Araki, les camions, les gens qui ont été en train de se faire, les croyants, les croyants, mais préoccupés, on a retard dans les aéroports. Dans le sous, les gens, déjà 5 jours dans les aéroports. Et c'est un mot, et ça, c'est un mot qui m'a commandé, je m'appelle Oyo, je m'appelle Mouné, je m'appelle Sacré, Dengue. Binomoko, Boyebi, Nenge, Papa Gouverneur, Alobi, Nenge, Bisomoko, Bomona, et Zali, m'appelait Oyo, Sacré, Bisonyoso, Tokumi Sayango, Tosali Sayango, et Bonga, si tout temple Oyo Mounene Mounene, et Zala, pour toujours, temple Bisonyoso, Banafrique. La bisognose pour croyable, vous avez la fête, il y a Kimbani pour la bisognose, il y a l'État, il y a Bat, et que le Moussika. On appelle Babitouma ici, là, la Bamboka, la bisognose, que soit Kima, que soit tranquillité, parce que bisognose, tout au lignée, Bamboka, la bisognose, que nous sommes, tout au lignée, Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa, na Angola, nous en avons Omoko. L'Ongwe Brasa, le Kinshasa, le premier Angola, et vice-versa. Et vice-versa, pour nous consolider par acquis la biso, pour nous consolider par richesse la biso, parce que par la ligne, on divise la biso. La seule façon, pour nous consolider par la biso, c'est la ligne, on divise la biso. Donc, la biso, nous sommes. Nenge va diriger la vie sur la ligne. Sassou Nguesso, Laurent Désiré Kabila, Nado Santos, Balin Kovanda et Sikamogo, pour tout consolider l'unité Oyo, pour tout élever l'église Oyo, et Kende, Ugoso, et Kende, Ugoso, et Kende, Ugoso. Je vous remercie.
Eduardo Santos, toque. Parce que nous avons des frères traîtres qui
continue de vouloir servir ceux qui nous ont exploités pendant des années et des années, voire des siècles, puisque cela remonte à l'époque de l'esclavage, au 15e siècle. Le gouvernement l'a dit, nos trois chefs d'État sont décidés à redonner à nos peuples, à nous tous, la liberté sur nos terres, la jouissance pleine de nos gestes pour notre développement dans l'unité, la paix, la concorde. Et nous pensons à une telle occasion que la prière nous aidera beaucoup, ceux qui croient, et moi je crois. Au mois de février dernier, le président Denis Sassou Nguesso, à l'issue d'une marche pour la paix à Brazzaville, avait dit « Je confie le Congo à Dieu pour que la paix revienne. » Et dans ce grand temps, tous les orateurs l'ont dit en d'autres manières. Et comme pour les paraphraser, je dis confions l'Afrique centrale à Dieu pour que la paix revienne, pour que nous vivions ensemble, la main dans la main, pour que le Congolais de Brazzaville ne soit plus étranger à Gama, pour que le Congolais de Brazzaville ne soit pas étranger à Angola, ou l'Angolais à Gama ou à Brazzaville, et tout ça. Pour terminer, je voudrais tout simplement dire merci. Merci aux organisateurs de ce grand événement. Et je prends l'engagement de transmettre au président Denis Sassou Nguesso l'invitation qui lui a été faite solennellement à cette tribune de trouver un jour l'occasion de rendre visite aux fidèles de la religion kimbangiste, aux frères qui habitent Kamba. Je vous remercie. Thank you.
Я не знаю, что я бросил. Я не знаю, что я бросил.